le drapeau de la Belgique va flotter évidemment également demain du côté de Roubaix. On sera quelques kilomètres seulement de la frontière. L'un des sprinteurs de l'équipe, c'est Boris Vallée, l'ancien coureur de l'équipe Force Union. On s'en souvient lorsqu'il avait porté les couleurs de l'équipe française. Merci d'applaudir maintenant Frédéric Baquerte. On prendra un plaisir à suivre demain, évidemment, tout au long de ces 257 km avec les 29 secteurs pavés pour un total de 54 km 500. Qui succédera à Peter Sagan? Alors, les premières tendances par rapport aux coureurs que nous interrogeons au fur et à mesure de cette présentation des équipes, Damien. La présentation a déjà quelque chose de typique. On fait pas ça à toutes les courses déjà, et alors ben, on sait qu'on se lance dans l'enfer du Nord. Demain, alors qu'on va continuer de retrouver les équipes qui nous viennent du monde entier.